Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Levi Phantom offre d'incroyables paysages post-apocalyptiques qui fascinent le plus grand nombre. Aujourd'hui, je vous fais découvrir le top 10 des villes abandonnées au monde. Si tu es nouveau à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Le monde compte une centaine de villes et villages entièrement abandonnés par leurs habitants. Catastrophes naturelles, industrielles, guerres, absence d'emploi, de nombreuses raisons peuvent pousser tous les membres d'une communauté à quitter la ville dans laquelle ils sont nés et ont fait leur vie. Ces villes fantômes ont toujours attisé notre imagination avec les paysages incroyables dans lesquels le chaos semble s'être installé. Pour toujours, en voici le top 10 des villes fantômes les plus extraordinaires du monde. Le top 1 de notre classement est la ville bordée en Californie aux États-Unis. Fondée à l'époque de la rue vers l'or, la ville a ensuite été abandonnée pour devenir l'une des villes fantômes les plus célèbres du monde. La ville à 2550 d'altitude est située en Californie à l'est de la. En 1962, la conquête de l'Ouest appartenant au passé, la ville de Bordier a été abandonnée et acquis le statut de State Historic Park. Elle n'est pas pour autant redevenue complètement silencieuse puisque aujourd'hui ils reçoivent plus de 200 000 visiteurs chaque année. Aujourd'hui, les passionnés d'histoire, les curieux et les familles en guette de dépaysement et d'authenticité peuvent arpenter les rues des bordures à la recherche de quelques fantômes et ainsi mieux comprendre comment s'est construite la Californie. Le numéro 2 de notre classement est la ville Consono en Italie. Il y a beaucoup de villes fantômes autour de l'Italie, toutes abandonnées pour une raison ou une autre. Catastrophe naturelle, mauvais emplacement, mauvaise planification, migration, l'une des plus fascinantes de toutes doit être l'échec de Las Vegas d'Italie, Consono dans la Lombardie. Bien que la ville ait des origines anciennes, son déclin est venu peu après sa reconstruction dans les années 60. C'était un moment de prospérité économique en Italie et dans l'esprit des voitures rapides du rock. Norel, l'entrepreneur Mario Bagno, se chargera de transformer la ville. Il a acheté chaque morceau de terre de la région et obligé les habitants à déménager avant de tout démolir, à l'exception de l'église et de quelques maisons. Mais en 1976, un glissement de terrain a englouti l'unique route qui menait à la ville. C'est quand engendré la fermeture du complexe de jeu. Le top 3 de ce classement se trouve en Afrique, précisément en Namibie. La ville de Kolmaskop, fondée au début du 20e siècle par les colons allemands, la ville a connu son apogée dans les années 20 avec l'exploitation du diamant, avant d'être abandonnée dans les années 50. C'est aujourd'hui un village fantôme entièrement envahi par le sable du désert de Namibie. Le top 4 de ce classement est encore une ville d'Italie, la ville de Grago, une ville médiévale extraordinaire utilisée comme lieu de tournage pour de nombreux films dont Le Christ s'est arrêté à Eboli, La Passion du Christ, La Nativité, Basilica, Ghost to Ghost, le James Bond, Quantum of Solace. Le village de Grago est désormais vide, la faute aux glissements de terrain qui ont entraîné les éboulements, mais le village n'a pas dit son dernier mot, il est devenu une attraction touristique et cinématographique. Maintenant on passe au top 5 de ce classement et la ville Pyramiden en Norvège. Pyramiden, située sur l'île de Spitsberg, a été vendue en 1926 par la Suède à l'URSS.
qui la vendra ensuite à une compagnie minière abandonnée lorsque le charbon se raréfia dans les années 1990. La ville est depuis restée figée dans le temps. Le top 6 de ce classement est la ville Kayakoy en Turquie, habitée par les Grecs jusqu'à la guerre gréco-turque des années 1920. La ville a été provisoirement repeuplée par les Turcs qui l'ont très vite abandonnée. Environ 500 maisons appartenant à la communauté autrefois prospère de Kayakoy, autrefois appelée Levici, composée majoritairement de chrétiens orthodoxes grecs. Maintenant, le numéro 7 de ce classement, on a la ville Pripyat en Ukraine, bâtie dans les années 70 pour héberger les employés de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cette ville de 50 000 habitants a été laissée à l'abandon suite à la catastrophe nucléaire de 1986. Le top 8 de ce classement, on a la ville de Oradour-sur-Glane en France. L'ancien village d'Oradour-sur-Glane a été conservé comme témoin du massacre perpétré par l'armée allemande en 1944. La petite cité est aujourd'hui divisée en deux entités, dont le centre de la mémoire constitue en quelque sorte le trait d'union. L'ancien village conserve à l'état de ruine qui témoigne des souffrances infligées aux habitants et gens de passage de cette petite bourgade, et le nouveau village reconstruit quelques centaines de mètres plus loin. Le top 9 de ce classement, on a la ville Varosa de Chypre. Varosa est un quartier de la ville de Famagouste à Chypre et une station balnéaire bâtie en 1972 qui est devenue une ville fantôme après l'intervention militaire turque en 1974. Elle est située dans la zone turque de l'île et a été abandonnée par ses habitants, étant située en Chypre du Nord. Le numéro 10, le top 10 et le dernier de ce classement, on a la ville Saint-Cyprien City. Saint-Cyprien City, un projet de centre de vacances futuriste morné suite à un manque de financement et à de nombreux accidents survenus durant la construction. Mais qu'y s'est-il passé? Dans cette ville située au nord de Taïwan, à Saint-Cyprien, tout près de la capitale Taipei, le temps semble être arrêté. En 1978, le groupe Hongwu engage les travaux de ce qui doit devenir un gigantesque village de vacances pour les officiers de l'armée américaine affectés en Asie de l'Est. Des maisons colorées en forme d'ovni dessinées par Matti Suronen, un architecte finlandais, sortent alors de terre les unes après les autres. Seulement 2 ans après le début de la construction, en 1980, les travaux sont arrêtés. Alors qu'il était sur le point d'être terminé, les propriétaires décident brusquement d'annuler le projet. La faute à qui, à quoi? Les hypothèses sont nombreuses, alors que certains évoquent des vents violents, d'autres font référence à une succession d'événements étranges qui se seraient produits pendant les travaux. Selon vous, quelle est la ville la plus mystérieuse de ce classement? Mets un commentaire et surtout, n'oubliez pas au passage de me donner une pouce bleue et commenter, partager et surtout partager au maximum. À très bientôt pour une autre vidéo.